Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons voir comment préparer... Cream stew. Le ragoût à la crème est un plat japonais populaire qui est souvent servi à la maison en hiver. Ce plat fait partie des yoshoku, c'est-à-dire qu'il a été inspiré par la cuisine occidentale. Comme le humbugu ou le kale rice, vous vous souvenez, qu'on a déjà présenté sur cette chaîne. Allez, c'est parti! Les ingrédients... Pour 4 personnes, 300 g de poulet, 2 pommes de terre, 1 oignon, 1 carotte, 120 g de brocoli, 30 g de beurre, 3 cuillères à soupe de farine, 400 ml d'eau, 500 ml de lait et 2 cubes de bouillon. Allez les amis, c'est parti! On va commencer par couper les ingrédients et on commence par la pomme de terre. On coupe donc la pomme de terre en morceaux et la carotte en biseaux. Et c'est au tour de l'oignon que nous allons couper en tranches de 1 cm. Allez l'oignon! Oignon! Et voilà les ingrédients! Vous pouvez couper les brocolis également en petits morceaux. Allez, le poulet maintenant! On va commencer par le couper en deux. Et puis, on coupe des morceaux. Après avoir mis de l'huile dans une casserole, on va faire cuire à feu moyen. On commence par mettre le poulet. Voilà, quand il commence un petit peu à cuire, il devient blanc, c'est le moment d'ajouter les ingrédients. On va mettre tous les ingrédients, sauf les brocolis. Bon, les brocolis, c'est les stars, quoi. Ils viendront au dernier moment. Non, en fait, la vraie raison, c'est pour garder la couleur verte intacte. Allez, on mélange bien. On mélange bien. Voilà, et une fois que l'huile est bien imprégnée dans les légumes, on arrête le feu, on va ajouter le beurre. Et on ajoute la farine. On continue de mélanger. Et lorsque le beurre est bien fondu, nous allons ajouter de l'eau, rallumer le feu à 2 et nous allons faire cuire pendant 5 minutes. Le moment est venu d'ajouter le lait. Et puis on finit en ajoutant les 2 cubes de bouillon. Et on laisse cuire à feu moyen entre 15 et 20 minutes. Ça y est, c'est le moment des brocolis. On les ajoute à la fin et on laisse cuire 2 minutes. Et c'est fini! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez la partager, la liker et surtout abonnez-vous pour recevoir les prochaines. Et comme on dit avant de manger au Japon, itadakimasu!